UAV Assurance vous offre une mission feu rouge, feu vert. UAV Assurance, votre avenir, notre quotidien. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Feu rouge, feu vert. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui préoccupe tous les usagers de la route. Certains, en les côtoyant dans la circulation, ont eu la peur de leur vie. Il s'agit des véhicules de transport de marchandises, communément appelés les poids lourds. Leur présence dans la circulation est nécessaire puisque leur activité assure à tous un approvisionnement régulier dans toutes les marchandises dont on a besoin pour vivre. Mais la cohabitation avec les autres usagers de la route se fait au prix de mille et une difficultés. Comment réagir quand on est dans la circulation aux côtés d'un véhicule de poids lourd? Quelle attitude adopter? Que disent les textes? Ne zappez surtout pas, nous répondrons à beaucoup de vos questions. Vous êtes sur la RTB et vous suivez Feu rouge, feu vert. Les statistiques de la Direction générale des transports terrestres et maritimes montrent que le nombre de véhicules poids lourds en circulation a augmenté au Burkina Faso. Entre 2010 et 2014, l'on est passé de 26 741 camions remorques et semi-remorques à un chiffre de 41 125. Leur présence dans la circulation ne rassure pas les autres usagers de la route. La peur est plus grande quand la surcharge est visible, comme c'est le cas ici, où le camion ne peut passer que grâce à la dextérité de l'apprenti qui lui ferait un passage en soulevant les fils. Quand je vois la hauteur, je pense qu'il doit faire peur. Ce qui est sûr, moi, je ne vais pas le dépasser. Je vais le suivre jusqu'à avoir un passage pour me libérer. Que dire quand ces camions transportent sans protection des chargements de sable et de gravats en ville, en pleine circulation? Les autres usagers n'ont que leurs yeux pour pleurer. Si ce chargement hors gabarit est visible à l'œil nu, la surcharge est souvent difficile à repérer. Mais ici, au poste de contrôle juxtaposé de 5C, on est équipé pour détecter tout excédent. Scanning System y travaille en collaboration avec l'ONASTER. Nous avons des dossiers. Un dossier d'un camion T12S4 qui a un hors gabarit et une surcharge. L'autre, c'est un T11S3 et une surcharge. Ok. T12S4, en principe, a droit et à 74 tonnes. Mais bon, nous voyons qu'en tout cas, après le paysage, le camion en tout cas 74 220 tonnes. Donc il y a une surcharge de 0 220 tonnes. Pour ça, le gabarit même, il y a trois sortes de gabarits. Bon, il y a la largeur, voilà, donc il y a la hauteur et puis il y a la longueur. Au-delà de 4 mètres, donc ça devient déjà une infraction. Dans les autres postes de contrôle qui ne sont pas juxtaposés, ce sont les agents de l'Office national de sécurité routière qui effectuent ce travail. De jour comme de nuit, ils roulent sur nos routes, traversent villes et villages pour transporter les marchandises des côtes vers l'intérieur du pays. Et sur ces conducteurs et leurs véhicules, beaucoup de rumeurs circulent. Beaucoup de camions n'ont pas de freins qui marchent. La preuve, souvent, on les observe. En fait, ils estiment. La distance qui les sépare du feu rouge, ils vont doucement et comme ça, lorsque le feu est vert, ils foncent. Simplement parce qu'ils n'ont pas de frein qui puisse leur permettre de s'arrêter au moment voulu. La nuit, vous voyez les anti-brouillards qu'on branche sur les figures des gens. Ils te tombent, tu passes parce que c'est lui qui t'a tombé. Vous donnez les situations, mes enfants, les gens, ils ignorent totalement les règles de circulation. Les nouvelles camions qui sont maintenant là, eux, leurs phares sont plus forts que les anciens véhicules. Il y a d'autres qui n'ont pas les anti-brouillards, mais sa phare simple, son coup de phare l'a fait mal plus que si il avait les anti-brouillards même. Ça, on ne peut pas dire que ça dépend des chauffeurs qui allument les phares. Les chauffeurs entre nous, on peut se comprendre que
quand quelqu'un te fait phare, tu diminues ses phares. Et puis si quelqu'un est à piéton en venant et que tu le vois, si tu le fais phare, il ne peut pas voir. Il ne peut pas te céder même. Il ne peut pas te céder. Donc tu es obligé de diminuer les phares pour que lui aussi il puisse te céder. Là, il n'y en aura pas de confrontement entre vous deux. Les gros porteurs aussi, souvent c'est la loi du plus fort. Parce qu'elles aussi ne sont pas tolérants. Parce que si vous vous êtes dans un gros véhicule, quand même, il faut essayer de voir comment faire pour, en tout cas, permettre à quelqu'un qui est sur un petit engin de circuler. Beaucoup de motocyclistes et de piétons ne savent pas où ils doivent circuler. Même quand il y a une piste cyclable, ils ne veulent pas l'emprunter. En fait, ils se disent que le goudron là, c'est pour tous. C'est vrai, mais chacun doit rouler sur la partie qui lui est réservée. On nous a fait lancer un appel il y a plusieurs années d'éduquer un peu nos chauffeurs. Et je pense que c'est continuel, c'est fait. Bon, on les éduque dans le sens d'être du respect de la vitesse en conduite et choses. Mais d'autre part, les pouvoirs publics aussi doivent éduquer nos populations. Parce que dans certaines agglomérations, vous voyez des gens qui considèrent la route comme des espaces de jeu. Et aussi engager les responsabilités de certaines personnes, personnes qui s'amusent à laisser des enfants. Vous voyez, quand vous traversez certaines agglomérations, vous voyez des enfants qui se baladent, qui s'amusent sur les routes. C'est parce que les parents leurs parents n'ont aucune responsabilité en cas d'incident ou en cas d'accident. Avant d'arriver au volant de ces mastodontes, les conducteurs suivent une initiation au centre de formation en transport routier et activités auxiliaires de la chambre de commerce. Nous avons 6 modules du code spécifique poids lourd. Par exemple ici, nous avons des panneaux qui ne concernent que les véhicules affectés au transport de marchandises ou de matériel, quel qu'en soit le poids lorsque nous avons ce panneau. La convention 161 de l'Organisation internationale du travail stipule que tout conducteur de ces véhicules poids lourds devrait bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 30 heures d'affilée. Sur ce point, le patronat se dit dans les normes. Pour ceux qui font l'international, il y a toujours deux conducteurs qui se relaient pour conduire le véhicule. S'agissant du transport interurbain, c'est-à-dire d'une ville à l'autre, il y a actuellement des compagnies qui s'essayent à deux conducteurs. Nous sommes à cheval dessus parce que nous savons que la fatigue, au-delà du fait que la fatigue peut rendre malade, ça peut tuer aussi. Nous faisons tout pour que les gens respectent les normes. Quand vous prenez la route de Ouagadougou à Bitou, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gendarmes couchés. Dans la conduite, c'est ce qui nous fatigue le plus. Et les médecins du travail que nous consultons peuvent l'attester. Nous souffrons de problèmes de dos. Vraiment, le Burkina est un cas à part. Dès qu'on dépasse les frontières du pays, nous allons jusqu'à Lomé, Cotonou ou Accra sans rencontrer ces gendarmes couchés. Et nous ne sommes pas les seuls. Pour les petits véhicules, c'est plus grave. Tu vois des villages de 3 cases et chacun se fait ses ralentisseurs. Vraiment, c'est difficile. Donc, c'est là que nous lançons justement un appel aux collectivités pour qu'ils prévoient, chaque fois qu'ils construisent les infrastructures pour la collectivité, qu'ils prévoient des parkings, des aires de repos pour nos conducteurs. C'est des services qu'ils nous rendent et justement des paiements aussi. Et la collectivité gagne, les transporteurs gagnent et les populations gagnent. À travers l'aménagement que nous comptons faire,
Donc nous allons prévoir des bus de petits airs pour leur permettre quand même de se reposer et pouvoir continuer leur route. Vous allez constater aussi que l'aire de stationnement des orgues qui a été mis à l'entrée des orgues, c'est pour pouvoir réguler. Et nous pensons que, bon, peut-être même si les camionneurs ne vont pas s'arrêter ici, pourront faire des haltes et puis continuer. Nous avons jusqu'à 6 routes, et 6 voies principales qui irriguent la ville d'Ouagadougou. Au niveau de toutes ces voies, justement, il y a des concertations actuellement qui se mènent pour pouvoir justement accueillir de l'espace, pour pouvoir justement constituer des aires de repos à ce niveau. Mais qu'en est-il de la santé des véhicules? Sur ce point, c'est le Centre de contrôle de véhicules automobiles CCVA qui veille au grain. En ce qui concerne les pannes, nous avons des pannes de la direction, nous avons des pannes de freinage, nous avons des pannes de système bloc, et il y a plein de pannes. De plus en plus, au niveau des poids lourds, ce que nous constatons le plus souvent, c'est la transformation massive des véhicules. Donc, des véhicules qui passent de 12,5 m à 17 m ou 20 m. Par exemple, vous voyez ce véhicule-là, il est hors norme. La réglementation en vigueur demande à ce que la civile la soit 12 mètres. Plus de 12 mètres, ça ne répond plus aux normes. Donc ça veut dire que la personne doit ramener ça à 12 mètres pour que ça soit conforme, pour avoir un titre de transport, pour pouvoir rouler. Ce que le constructeur a donné, il a changé. Par exemple, il y a des gens qui prennent des tracteurs routiers, qui change en camion, porteur comme ça. Qui ne dépasse pas 4 mètres et quelques, mais il amène ça à 15 mètres, à 16 mètres. Donc vous voyez que les données techniques changent. Au niveau du freinage, l'efficacité diminue. Puisque normalement, s'il avait 3 essieux, c'est l'essieu avant plus 2 essieux à l'arrière qui devait freiner. On a ajouté 3 essieux. Les 3 essieux là, c'est le même système de freinage. Donc, au lieu de le freinage des 3 essieux, ça s'est parti maintenant sur 6 essieux. Donc, vous voyez que l'efficacité du freinage devient un peu faible. Même au niveau du braquage, l'angle de braquage devient plus grand au lieu de plus court. Puisque si vous voulez prendre la direction, changer de direction, ça veut dire qu'il faut aller carrément à droite. Ce qui empêche même les autres usagers de circuler. Donc, il faut prendre carrément un grand détour avant de faire le tour. Parfois, même au niveau des ronds-points, vous voyez les véhicules qui font des allers-retours pour pouvoir manœuvrer. Ouaga sans char, c'est dur. Ouaga avec un char, sans assurance, ça, c'était avant. Pour vous, l'UAB met en place ABS, l'assurance bécane sécurité, avec de nombreux avantages. Avec ABS de l'UAB, vous n'êtes pas seul en cas d'accident. ABS de l'UAB comprend la responsabilité civile, qui vous couvre si vous êtes responsable de l'accident, la défense et le recours devant la justice, l'assistance financière pour la réparation de votre engin, le capital invalidité en cas d'infirmité dû à un accident de circulation, les frais médicaux et le capital d'essai à vous ayant droit. Parents d'élèves, chefs d'entreprise, particuliers, protégez vos proches et collaborateurs avec ABS l'UAB. Souscrivez à l'assurance bécane sécurité de l'UAB à partir de 12 000 francs CFA l'année dans toutes les agences UAB Assurance. Pour toute information, contactez-nous au 25 30 18 18. Ne soyez pas dépassé, assurez votre moto avec l'assurance bécane sécurité de l'UAB. Pour profiter de la vie, c'est avec UAB Assurance. Il est toujours judicieux de laisser beaucoup d'espace dans la circulation aux véhicules poids lourds. Avec leur gabarit et les très lourdes charges qu'ils transportent, il leur est difficile de freiner brusquement. Alors évitez de leur couper brusquement la route, comme beaucoup d'usagers de la route le font ici et ailleurs. L'autre comportement à ne pas avoir, c'est freiner soudainement devant eux quand on les précède. Qu'ils soient de taille et de gabarit normal ou pas, les véhicules poids lourds ne circulent pas comme les véhicules légers. Les véhicules longs, j'entends par là véhicules longs, les véhicules articulés, les véhicules de transport en commun qui sont tous longs, pour tourner à droite ou changer de direction. C'est-à-dire si c'est un virage qu'ils veulent aborder par la droite ou un changement de direction par la droite, ils doivent se déporter momentanément, comme vous voyez l'image là, ils doivent se déporter momentanément vers la gauche en faisant attention à ce venant en sens inverse. Parce que les roues arrière de la remorque ou du transport en commun, au moment où le conducteur commence à tourner, changer de direction, les roues
intérieur de la, du virage se bloque et tourne pour pouvoir changer de direction. Et vous voyez, c'est par là, si on ne change pas, on ne se déporte pas vers la gauche, les roues arrière vont descendre donc de l'accotement. Et là, c'est un danger. Avant de changer de direction, on doit mettre 30 ou 50 mètres avant le clignotant pour expliquer, montrer à ceux venant par derrière que vous voulez changer de direction. Mais en se déportant vers la gauche, il y en a qui profitent, ils se disent, souvent ils se disent que le conducteur a dû oublier son clignotant. Donc ils profitent justement de cet espace-là pour soit vous dépasser ou tourner. Et ça, c'est très dangereux. Lorsque vous voyez un véhicule qui se déporte du côté gauche et qui a manifesté son intention de tourner à droite, ne dites pas que c'est un oubli, qu'il a oublié le clignotant. La première règle, c'est de vous arrêter et de le laisser terminer sa manœuvre. Dans tous les cas, même s'il y a un espace à droite, surtout dans les abords des intersections, évitez donc de dépasser un véhicule, même s'il est lent, parce que les gens se disent qu'ils sont pressés. Moi, je pense que dans la matière du code de la route, on n'a jamais privilégié la précipitation ou la vitesse. Il faut que les gens sachent que la priorité, comme on parle en carboum, n'est pas un carboum, circulation. Il faut être très actif. Quand quelqu'un est déjà engagé, il faut le laisser partir. Quand je circule dans l'un des camions, je fais très attention. Et j'essaie d'être prévoyant, j'anticipe sa réaction surtout. Donc non seulement je suis tolérant, si je suis dans une position favorable, je fais attention. Et si un autre usager est dans une position défavorable, je lui cède la priorité, bon, par politesse et puis par tolérance. J'anticipe sa réaction. Quand je regarde dans le rétroviseur, je fais attention. Si quelqu'un vient plus vite que sa vitesse normale, j'avance un peu pour qu'au cas où son frein ne marcherait pas, qu'il ne me heurte pas. Nous voyons parfois des accidents très graves qui impliquent des poids lourds, mais souvent c'est seulement parce que le malheur doit arriver. Il faut qu'on soit tolérant et qu'on se dise qu'on ne fait pas un rallye. Sur la circulaire ici, les accidents de gros camions n'arrivent pas aussi vite que pour les motos. Le seul problème, c'est que quand ça se passe, il y a beaucoup de dégâts. J'ai été témoin d'un accident qui m'a traumatisé. Un camion immatriculé au Togo a écrasé une dame qui avait presque fini de traverser la route. Et sur le gérant de Maki TV5, juste à côté, et on a perdu deux de nos employés sur cette route. Voilà, dû à des accidents. Une fois même, on a perdu notre tante ici, dans des cas pareils. Elle a arrêté au feu, le camion vient, on crie. Bon, le temps qu'elle quitte la route, on l'a déjà écrasée. Et la liste des noms de victimes ne s'est pas arrêtée là. Le deuxième trimestre de l'année 2019 a été marqué par la mort prématurée de deux élèves de la capitale burkinabé. Ils sont tombés sous les roues de ces poids lourds. Ces cas sont très malheureux, c'est très douloureux. Et je comprends la colère des jeunes, des populations. Ces accidents nous interpellent pour dire que ce n'est pas seulement les textes qui peuvent régler le problème des accidents. Il faut que nous-mêmes, nous acceptions de changer de comportement. Il faut que nous-mêmes, nous acceptions de respecter le code de la route. J'ai rencontré par exemple hier les élèves, ils sont venus pour manifester leur mécontentement. Je les ai reçus, je les ai compris. Je lui ai dit, mais vous dites de mettre les permis à point, c'est une très bonne mesure. Mais est-ce que si on prend un texte pour dire que pour rouler à moto, il faut avoir le permis, est-ce que vous allez être d'accord? Ils n'ont pas répondu. Dans les autres pays, pour rouler à moto, il faut avoir un permis. Même si tu roules à vélo, il faut avoir un casque. L'arrêté numéro 2019-079 du 7 mai 2019 interdit désormais en son article 4 la circulation des véhicules articulés ou des ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 10 tonnes. La mesure concerne uniquement la ville de Ouagadougou. L'arrêté municipal autorise la circulation de ces véhicules poids lourds entre 22h et 5h du matin
sur 8 axes dans l'ensemble du boulevard des Tansoba, c'est-à-dire la circulaire. La circulaire, à l'époque, à sa conception, c'était le contournement de la ville de Ouagadougou. Elle dessinait Ouagadougou et les quartiers qui sont après la circulaire ont existé parce qu'on a mis une circulaire. C'est ça le drame des villes. À chaque fois qu'on vous apporte une infrastructure, tout de suite il y a des habitations qui se créent et juste à côté. Mais dans l'hyper-centre-ville, il n'y a même pas d'heure. Les camions sont interdits. Donc pour pouvoir faire des approvisionnements en ville, il faut prendre des camions qui ont moins de 10 tonnes. Et si maintenant il y a des exceptions qui les amènent à vouloir le faire le jour, en ce moment ils posent le problème de leur exception, qui va être apprécié ici au sein du conseil municipal, et en ce moment, nous les délivrerons une exception, une autorisation spéciale, qui n'a qu'une validité d'une semaine. Avant d'appliquer la loi dans toute sa rigueur, il y aura une phase d'information et de sensibilisation des acteurs du domaine. Nous marquons notre adhésion dans la forme de la réglementation de la circulation dans la ville de Ouagadougou. Mais dans le fond, donc ça sera des discussions techniques que nous allons essayer de travailler avec la mairie pour qu'il y ait une vitalité dans la ville de Ouagadougou. Vous savez, si on arrête tout du coup, ce n'est pas du tout facile. Nous allons travailler ensemble pour que ça soit une réussite parfaite. Et vous savez également que la vie n'est pas négociable. Je crois que ceux qui sont sur les petites motos et les vélos à pied, ils doivent quand même s'ils n'ont pas fait l'école, ils n'ont pas fait le code de la route, la vie elle est précieuse. Il faut d'abord, en roulant d'abord, il faut voir devant toi, voir tous tes côtés, qu'est-ce qui peut t'arriver. Mais si on prend la route seulement sans regarder gauche-droite, on commence à pratiquer comme si c'est pour nous la route. Souvent, c'est un peu compliqué. À gauche. Je dirais à chaque usager de faire très attention aux poids lourds. S'il klaxonne derrière toi, cède-leur le passage, c'est mieux. Quand un accident se pose comme ça, on arrive, on a affaire aux véhicules. On ne fait pas attention aux motos aussi. Alors que eux aussi, souvent, ils vont au-delà de la vitesse et de la ville. Donc vraiment, les motos circulent à vitesse, les camions circulent en vitesse et on a l'impression que nous sommes en dehors de la ville même. Donc je voulais vraiment attirer leur attention qu'ils aillent doucement parce que nous sommes en ville. Je leur dis simplement qu'ils exposent leur vie, ils exposent leur intégrité physique. Il suffisait de faire attention pour que tout le monde soit épargné, y compris leurs parents. Ah, les camions, les machines, là. La circulation, c'est la patience. Il faut qu'on fasse attention les uns aux autres pour éviter les problèmes. D'une manière générale, il est reconnu que les véhicules de transport de marchandises sont moins impliqués dans les accidents de la circulation, en ville comme en campagne. Le seul problème, selon les professionnels de la sécurité routière, c'est que dans les quelques rares fois où ils sont mis en cause, les dégâts sont énormes, avec des pertes en vies humaines. Il est donc impératif que tous les usagers de la route travaillent à civiliser la circulation pour éviter au pays des hommes intègres de perdre ses bras valides, le plus souvent dans des accidents qui auraient pu être évités avec un peu de tolérance et de courtoisie. Nous sommes presque au terme de cette émission et comme vous l'avez constaté, les véhicules poids lourds, comme leur nom l'indique, peuvent causer d'énormes dégâts en cas d'accident. Facilitez-leur donc la circulation si vous devez rouler à côté d'eux ou devant eux, derrière eux dans la circulation. Remarquez, ils ne peuvent pas, du fait de leur gabarit et de charges qu'ils transportent, freinez brusquement pour vous éviter. Nous espérons que vous avez pu tirer profit de ces quelques instants passés en notre compagnie. Rendez-vous très prochainement, toujours sur la RTV pour parler sécurité routière.